Salut à tous, c'est Coco, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Pokémon Lune sur DS. Alors, on doit aller par là-bas. Ah, quelqu'un va me battre. L'objet de Caninos, tiens, je suis sûr qu'il va s'assurer au pouvoir. Tukimi, Takumi, le dresseur en herbe veut se battre. Alors, qu'est-ce qu'il lance comme Pokémon? On voit Caninos. Caninos contre Giratina. Alors, on va mettre Osphère. Il fait la sieste. Pas très visé. Giratina se réveille, il utilise Flamèche. On se fait, il ne l'obéit pas. Donc je me blesse dans ma confusion. Il fait Flamèche. On va changer d'attaque. On va faire Griffombre. Je fais la sieste. Giratina se réveille, il tourne le dos, il utilise Flamèche. Allez, on fait Griffombre. Je fais la sieste. Bon, on va changer de Pokémon parce qu'il fait souvent la sieste. Hein. J'aime bien faire la sieste. Allez, on va mettre Lunala. Ça me brûle, donc je perds des dégâts. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ballon. Il tourne au dos, il me fait Flamèche. Je suis brûlé. Allez, on fait ballon. Je fais la sieste. On change de... Garde le Pokémon. Il utilise lutte. Il se blesse par le contre-coup. Je fais ballon-ombre. Est-ce qu'on le tue? Eh oui, on a tué. Oh là, tué. Takumi, on a battu Takumi. On reporte 624. Allez, on doit aller par là-bas. On va par là-bas, par là-bas. On essaye de ne pas se prendre des dresses. Enfin, si, parce que. Il y a une des histoires. Maintenant que tu as réussi ta première épreuve, j'ai hâte de te voir à l'épreuve en combat. Je parie que tu y mets toute ton âme comme moi quand je surfe sur une belle vague. Je te tire mon chapeau. Je ne suis pas dresseuse, mais je dois bien avouer avoir été impressionnée. Ça va peut-être de la tarte de battre Pictorios, le doyen de mêlée. C'est le spécialiste des Pokémon de type combat. Si tu veux avoir une chance contre lui, mise sur les capacités de type vol ou psy.
vas essayer de le battre. Alors, comment ça? Tu as réussi l'épreuve de la grotte verdoyante? Félicitations, jeune homme. Mais vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin, Giratina et toi. L'heure est venue de vous mesurer au doyen de l'île. C'est moi, au cas où tu ne l'aurais pas compris, moi, avec plaisir. Mouahaha, c'est parti! Pictorius. Coco Gaming contre Pictorius. À nous deux, jeune dresseur. Avant tout, je tiens à souhaiter la bienvenue à tous ceux qui se sont lancés dans cette formidable aventure qu'est le tour des îles. Mais trêve de formalité. Place à l'île. Team épreuve de mêlée-mêlée, un combat Pokémon contre le doyen de l'île. C'est-à-dire moi. C'est ce que l'on appelle la grande épreuve. À nous deux, mon petit Kogo Yemi 38. Toi à qui Tokoriko a remis une gemme lumière, ton partenaire Giratina et toute ton équipe. Montrez-moi ce que vous êtes, vous avez dans le ventre. Et je vous montrerai pourquoi on me surnomme le terreur de mêlée-mêlée. Cette grande épreuve sera musclée ou ne sera pas. Allons, on se bat contre le doyen de l'île. Pictorius, le doyen, veut se battre. Pictorius le envoie. Alors, on va utiliser Griffon. Il n'obéit pas. Donc je me blesse. Puissance, il utilise. Atmosphère, il tourne le dos, on utilise poursuite. On va faire Griffon, n'obéit pas. Poursuite, on fait châtiment, il tourne le dos, poursuite. Griffon, ne veille pas, poursuite. Phosphère. Il a rien remarqué. Griffon, je fais la sieste. On va changer de truc. Ça, c'est alors, qu'est-ce qui est super efficace, Pokémon? Alors, non, ah bon, on voit pas en fait. On va mettre ça. Allez, on a pas, on change de Pokémon. On met Tokoriko. Coup de juice. Il a rien remarqué. Boulelec. Il utilise Boulelec. Est-ce qu'on tue le féro-singe? On tue le féro-singe, et oui! 31 points d'XP pour votre équipe. On va maquiller.
Makita. J'envoie Makita. Makita. Et aussi, des fois, je ferai des vidéos sur Pokémon Soleil. Vous les likez. Fais coup de juice. On tue le Makita. On prend 25 points d'XP. Carabagar. Allez, il utilise Carabagar. Contre. Coup de juice. Allez, il n'obéit pas. Et sa puissance Z. Il fait combo hyper free. Il m'a fait des dégâts, mais pas beaucoup. Mais heureusement, moi je perds jamais. Alors, Pokémon, allez, on met Feu l'Inferno. Allez, Feu l'Inferno. Allez, Feu l'Inferno. Colère, on fait colère. Il n'obéit pas. C'est super efficace. Allez, on va mettre coup de croix. Non, ça marche pas. Coup de croix. Alors, coup de croix. Allez, on fait coup de croix. Est-ce qu'on le tue? Et on a tué le doyen de l'île. Oui. 40 points XP. Allez. Pectoris, on a battu le Pectoris. On remporte 2400. Ta victoire ne doit rien au hasard. Tu es sans contexte un excellent dresseur avec d'excellents Pokémon. Tokoriko! Ha! On dirait que Tokoriko est d'accord avec moi. Je parie qu'il bout d'impatience que vous l'affrontez quand vous serez devenu plus fort, tes Pokémon et toi. Tiens, prends ce cristal Z, il te permettra de transmettre ta force Z à tes Pokémon. La grande épreuve réussite. Vous obtenez une combe élite. Vous la mettez dans la poche. Pourquoi il y a une tranchée? Regarde bien. Pour faire appel à la force Z de type combat, bouge les bras comme ceci et les hanches. Comme cela, prends la pause. Sur ce, mon petit Kogoyemi 38, j'ai l'honneur de t'annoncer que tu as terminé toutes les épreuves de Mêlée Mêlée, la première île d'Alola. Grâce à ce tampon, preuve de la réussite de l'épreuve de Mêlée Mêlée, les Pokémon t'obéissent. Au doigt et à l'œil jusqu'au niveau 35, mais ce que tu as reçu en échange
même en plein jour. La lune est là quelque part, pareil pour le soleil, en pleine. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas une chose qu'elle n'existe pas, tu sais. En traversant les îles d'Alola, tu vas rencontrer bien des gens et bien des Pokémon différents. Intéresse-toi à ceux qui se cachent sous la surface. Un jour, tu reverras Tokoreko, je le sais. Rose. Tout doux, Tauros. Je viens d'avoir une idée. Que dirais-tu d'utiliser ce bon vieux Tauros comme monture? Tu lui rendrais service, il n'a qu'une envie, c'est de faire un tour des îles lui aussi. Rose. Tu vois? Allez, c'est décidé, prends cet équipement et enseigne. Vous obtenez appel monture. Vas-y, mon petit bonhomme. Grimpe-lui dessus pour voir. Alors, le paysage est complètement différent vu de là-haut, pas vrai? Et comme Gaming38, n'oublie pas, à Alola, tu trouveras de nombreux Pokémon qui seront ravis de te transporter sur leur dos. Ces Pokémon nous rendent un fier service. Avant toute chose, passons rapidement et revue l'attirail que je viens de te donner. Comme son nom l'indique, l'appel monture sert à appeler un Pokémon monture. Que dit le manuel déjà? Ah voilà, bouton Y pour allumer l'appel monture, B pour faire changer le Tauros. Quant au reste, c'est la tenue que tu portes. T pour monter un Pokémon, c'est tout bête. Allez, fonce aux 4 points d'Alola avec Tauros et prends bien soin de lui pour moi. Utilise l'appel monture où que tu sois. Le Pokémon monture arrivera aussitôt pour t'aider. Félicitations, Coco Gaming 38. N'hésite pas à utiliser l'appel monture. Je l'ai perfectionné avec un ami. Remporter la victoire sans utiliser la force Z, je dois avouer que je suis impressionné. Mais fais-moi une soirée relooking. Je te souhaite un excellent tour des îles. J'espère que ça t'a apporté plein de choses comme une vieilleur coup de cheveux. Ou des fringues un peu plus classe. Alors, Coco Gaming 38, maintenant que Tauros est avec toi, tu vas pouvoir aisément détruire les rochers qui jalonnent la route 1. Tiens, un petit cadeau de ma part. Vous recevez la CT-54 fausse charge est une capacité qui laissera toujours au moins un PV à ton adversaire. Avec ça, tu vas pouvoir capturer tout plein de Pokémon. Ça occupera Motisma pour le reste
passe d'abord dire au revoir à ta petite maman et rejoins-moi après. Je t'attendrai tranquillement au port des tiens. Sur ce, je file préparer mon fidèle watch pour notre traversée. Oui. Coco Gaming 38, j'aurais une faveur à te demander. C'est à propos de mon petit doudou. J'aimerais le ramener d'où il vient. Comme tu le sais, j'aurais pu avoir de très gros ennuis s'il n'avait pas été là. C'est pourquoi je voudrais au moins lui rendre ce service. Hélas, n'étant pas dresseuse, j'ai bien peur de ne pas pouvoir faire grand chose. À toi, avec toi, à mes côtés, en revanche. Je sais que c'est égoïste de ma part de te demander ça, mais... merci infiniment. Me voilà rassurée. Tu sais pas à quel point tu m'ôtes une épine du pied. Dans ce cas, nous allons t'accompagner jusqu'à l'île suivante, Doudou et moi. Piou. Bon bah, on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et liker. Ciao!